Alors attention, aujourd'hui je balance sévère dans l'appel trop con. On nous ment, on nous spolie. Figurez-vous que dans les bars, quand on commande un demi de bière, ils nous servent un quart. Puisqu'il y a 25 centilitres et pas 50. 50 c'est la moitié, un quart c'est 25. Bah oui. Oui, allô. Bonjour madame, je suis bien au bar. C'est ça même. C'est pour signalifier un problème. Oui. Je suis venu boire des bières, oui. On m'a dit qu'on me servait des demi. Ouais. Eh ben en vrai c'était des quarts. Oui. Je comprends rien du tout ce que vous me dites là. Soi disant qu'on aurait servi des quarts pour des demi. Il a pris un demi, il a eu 25 centilitres. Ah, nous y voilà. 25 centilitres égale un quart, donc il manque un deuxième quart pour faire un demi. Non, on m'a fait payer le double de la moitié du quart. On vous a fait payer le double de la moitié du quart. Alors vas-y, expliquez-moi là. En principe, en prenant deux demi, ça devrait me faire un entier, et pourtant ça me faisait deux quarts, c'est-à-dire un demi. Ah non. N'importe quoi. Si sur chaque demi, vous vous mettez un quart dans la poche, au bout de quatre demi, vous récupérez un quatre quarts. Non. Eh, déjà, avant de parler au téléphone, vous venez me voir. Ah bah oui, et puis entre-temps, vous allez changer tous les trucs. Vous divaguez complètement, on va changer quoi? Vous allez mettre des verres de demi à la place des verres de quart, et puis hop. Des verres de demi, mais c'est des verres des 25 centilitres! Voilà, c'est des quarts! Mais non, c'est un 25, et tu vas me péter les couilles là! J'ai fait quand même du mathématisme comme tout le monde, je sais qu'un quart c'est 0,25. Je vous passe mon épouse. Oui! Oui, bonjour monsieur! Écoutez-moi monsieur! Un millilitre, c'est un millilitre! Voilà, et comme un quart de litre c'est un quart de litre égale un demi de millilitre, donc c'est bien qu'il y a arnaquage! Bah non, pas du tout monsieur! Vous êtes qui d'abord? Monsieur Martin! Martin d'où? De Martinville! De Martinville! Et vous habitez Martin dans la France? Oui, ah bah absolument, oui, en région Martin! Oui! Vous n'allez jamais nulle part. Ah, une autre dame. Vous sortez jamais, vous n'êtes qu'à l'église et vous n'allez jamais dans un bar alors. Bah déjà je suis venu chez vous, merci que ça m'a bien vaccinifié de sortir. Mais vous êtes qui vous? Vous savez ce que c'est qu'un demi en France? Ah bah un demi c'est 50, c'est 0,5. Non monsieur, c'est un sérieux c'est 50. Comment ça je suis pas sérieux? Mais vous comprenez rien. Oh, je crois que j'ai plutôt trop bien compris, oui. Vous êtes tombé sur la tête, vous sortez d'où là? Déplacez-vous, venez. Oui, non, puis le temps que j'arrive, vous aurez planqué tous les quarts, vous aurez mis des demi à la place. Mais vous êtes jamais sorti, monsieur, c'est pas possible. Ah ben c'est surtout que moi j'ai calculé ce que vous me devez quand même, parce qu'il y a eu... Mais je vous dois quoi? Bah vas-y, venez. Alors, j'ai calculé avec la préjudiciation liée au profitage économiste, sur les trop perçus... Prenez une calculette surtout, hein. Comptez pas de calculette. Très bonne idée, j'allume la calculette. Calculette allumée. Oh là là. Je pose donc tout, un quart, je retiens un demi, mais... tout, fois 0,5, tout, sur 0,25. Allez-y, comptez. J'appelle le 17. Ah, attendez, j'ai le résultat qui sort, là. Je fais le 17. J'appelle la gendarmerie tout de suite. Ah, non, moi d'abord. Taisez-vous. Non, allô? Ah, vous avez mal raccroché. Et il fait le 17. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Commissaire Martin. Oui, bonjour, c'est monsieur du bar tabac. Je suis harcelé par quelqu'un au téléphone qui nous dit qu'on l'a arnaqué parce qu'on lui a vendu un demi alors que c'est un quart, enfin bref. Excusez-moi, parce que nous on a un monsieur Martin qui nous dit qu'il s'est fait arnaquer. Oui, c'est ça, oui. Bah c'est le même, ouais. D'accord, vous appelez donc pour reconnaître votre arnaquage? Bah non, bah attendez, là. Mais c'est quoi ce truc là? Vous êtes gonflé quand même, c'est-à-dire que vous appelez... Ah non, attendez, là. Oh là là, il y a quelque chose qui va pas là. Oh là là. Ah non, attendez, là, il y a quelque chose qui va pas là. Ah oui, là, ça va pas là. Vous pouvez vous déplacer, venir nous voir là? Oui, oui, et puis vous allez me faire le coup que vous avez fait à monsieur Martin, vous allez me vendre un demi au prix du quart. Non, c'est la même personne ça? C'est la même voix que la personne que j'avais tout à l'heure ça? Ah non, c'est pas moi non? Non? Moi je suis le commissaire Martin, mais on me confond souvent avec monsieur Martin, c'est vrai? Ah bon, pardon. Pas vrai, monsieur Martin? Ah bah vrai de vrai! Ah, c'est encore vous? Bah non, c'est pas moi puisque je suis le commissaire Martin. Allez hop, au revoir, merci. Bah vous divaguez complètement, on va changer quoi? Vous allez mettre des verres de demi à la place des verres de quart, et puis hop. Des verres de demi, mais c'est des verres des 25 centilitres! Voilà, c'est des quarts! Mais non, c'est un 25! Tu vas me péter les couilles là! Bonjour, c'est Martin de l'appel trop con de Rire et Chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, bonne nouvelle, il y en a encore plein d'autres à regarder, c'est-à-dire qu'il y en a là, il y en a là, il y en a pas là, mais il y en a là. Là, enfin bon, il y en a partout. Et puis au passage, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Rire et Chanson. Hein ? À bientôt. C'est pas tactile, hein, ça s'arrête pas, ton... Comment je...